Dan Junior, vraiment un plaisir de t'avoir à l'émission avec moi ce soir. Dan Junior, vraiment, depuis que ça a monté, personne ne va arrêter indifférent. Et pour nous commencer là, parce que c'était une première musique qu'on a dit qui mettons en contact direct et profond avec le Dan Junior, bonsoir et bienvenue à l'émission. Comment est-ce? Bonsoir, bonsoir Guillaume, comment est-ce? Ah ben nous là, son plaisir. Pour nous guérir, nous t'ai rencontré Paris. Je crois que c'était à deux reprises, si je ne m'abuse. Nous rencontrer à Paris. Il y a quatre ans. Ouais, il y a quatre ans. Assoir nous là encore pour nous parler de où, de faire, de soi réaliser. Et pour couronner de tout ça, vous venez présenter nous en dernier musique, en exclusivité, cap disponible tout à l'heure. Mais juste avant d'en parler, il faut quand même faire, quand je peux dire ça, le tour de ta carrière. Puisque c'est pas une mince carrière, c'est une grande carrière. Une cadence d'un artiste haïtien qui réside, qui vit à Paris. Donc, où quittez-vous là pour Karimi ou j'ai trop d'années? Bon, tout d'abord, avant de commencer, je salue tout le monde qui a regardé nous à soir. Je dis bonsoir. Et puis, moi, aux États-Unis, dans une tournée. Ouais. Côté, moi, j'ai deux dates programmées. Moi, j'ai New York. Ok. Et puis, moi, j'ai deux dates aussi que en Floride, okay, que nous descendons pour nous faire. Okay. Et puis, en même temps, nous avons un album qui peut le sortir et à ce moment-là, nous avons un clip que nous voulons lâcher, inattendu. Sans que nous ne fassions trop de bruit, nous voulons lâcher le clip là comme ça. Donc, on va pas annoncer ça, on va pas annoncer musique ça. Nous faisons des petits parler, nous allons un teaser, mais nous allons faire date. Nous allons date. Ok, ouais, nous allons un teaser, mais nous allons date. Dan Junior, aventure là, nous parlons de ça déjà à plusieurs reprises, peut-être mon Dieu, peut-être à songer. Aventure Dan Junior, nous prenons, moi-même, j'ai connaissance début 2000, là, j'ai exactement 2003-2004, musique ça avait à Batman, et là, le sorti, c'est pas seul, c'était un album directement de la gay. C'était un album directement, un album qui était gagné 11 titres. Ouais. Un succès total, fou, de manière même inattendue, quand même, on peut le dire. Bon, c'est comme c'était le premier album, moi, je pas pensé que ça t'a pas le fait, me fait le tour du monde, parce que. Ouais. 8 jours après l'album d'en sorti, j'ai gagné un pile date sur les Antilles, en Europe, beaucoup aussi en Afrique. Ok. Donc un pile date sorti. Le plus grand titre de cet album, c'était Aver ou il y en a d'autres, n'avait d'autres? Oui, après, sur mon deuxième album, on avait Mettez Malaise. Oui, Mettez Malaise. Qui était très bien marché. Ouais. Et puis ensuite, chaque album qui me sorti, toujours gagné un grand tube qui fait surface. Ouais. Dan Junior, contrairement à un artiste qui pourrait être général aux États-Unis, notamment en Floride ou bien à New York ou même c'est Paris. Comment on fait Paris. Continuer à faire musique et résister? Parce que bah, vraiment, il y a un artiste dans le calibre qui fait autant de temps de résistance et de succès à Paris. Bon, mon je pense que, regarde, la preuve, c'est des grands concerts qu'on fait à Paris qui ne parlent de l'autre côté. Ouais. Paris, ça marche très très bien. Moi-même, il y a des gens qui disent est-ce que je toujours fait musique parce que pareil, moi en Haïti, on se l'écoute. Ouais. Pendant ce temps que, par un week-end, que je ne pas performer. Ouais. Moi, je fais un pile fête privée. Sauf ça, pour mieux comprendre, bon, que peut-être qui est très personnel, il y a des spectacles que je fais qui n'ont pas de publicité. Pour qui ça? Parce que c'est fête privée, oui. Ouais. Donc, c'est des monnaies que je sont fêtes privées qui n'ont pas déclaré. Et toute bagarre en Europe, en France, surtout, déclaré. Ouais. Donc, c'est des fêtes que je fais qui sont payées en espèces qui n'ont pas déclaré. Si mal partagé, bah, ça sur page, moi, il y a problème à chercher. Ouais. Très souvent. Donc, il y a un pile fête qui fait comme ça, mais une joue un pile en Belgique, en Suisse, l'Allemagne, côté ça. En Afrique aussi. Beaucoup en Afrique. Ouais, en Afrique, apparemment, il y a des hauts niveaux de connexion avec des grandes autorités au niveau de l'Afrique qui. Pas mal. En Afrique, si vous voulez que le conseil de spectacle que je fais, c'est président, ministre. Ministre, il a besoin de faire anniversaire petit, madame, ni. Première dame, non aussi, parfois assez souvent, il y a des places. Madame, comme si footballeur, madame, yo, a marié, a fait anniversaire, yo use musique moins pile, déplacé moins, ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir, c'est vrai. Mais quand on est un artiste, on fait la musique pour peut-être on est artiste comme on est qui fait musique à plein temps, c'est pour gagner sa vie, mais aussi c'est pour avoir une certaine reconnaissance. Mais lorsque tout niveau ça, on a l'impression que le grand public n'est pas au courant. Ça te dit quoi? Tu te contentes avec le public haïtien? Ou le public? Le public haïtien n'est pas vraiment au courant de ce que je fais. Ouais. Mais je pense qu'à travers les réseaux aujourd'hui, ils sont un peu au courant. Ouais. mais apparemment, sur le plan économique ou bien financier, ça pas mal. Et pour dire, bon, je me contente. Et puis, tu as un tempérament aussi très calme. C'est pas de la vantardise ou pas dans un niveau vantardise pour parler de où, de soi faire, de soi réaliser. Est-ce que c'est pas mieux? Je sais pas, hein. Vivre caché. Oui.
vivre mieux. Ouais. Non, bon, financièrement, moi, ça va. Non, je sais. Je sais, moi connais. Mais nous parlons de ça déjà à plusieurs reprises. On sait de Go Jazz qui a monté à Paris, font paquet l'obéille. Et pour que l'impression, c'est pas Dan Junior qui réside là. Il y a un respect pas payé quelque part. Ou vivre comme ça, ou bien ou juste il a fait affaire, m'a fait affaire. Pas. Bah j'en oblige un monde relim. Ouais. Si mon nom, si on relim pour un spectacle, au plaisir. Si vous parlez de moi aussi, ça va déranger. Je wow. Me cache d'où, franchement, chaque week-end, on va en côté. Je suis en pile mariage, en pile fête privée, en pile spectacle aussi. Ouais, là, calendrier est presque vraiment chargé pour jusqu'à décembre. Ouais. Et après décembre, je date encore. Mm-hmm. Voilà, juste avant de nous entrer directement dans l'autre détail sur carrière, on a deux là pour en tourner et on va jouer week-end à Orlando le 15. Et c'est Dan Junior et 5 ans. C'est ça. Ouais, ouais. Samedi, nous avons un grand spectacle à Orlando. Ouais. Nous avons 5 ans, nous avons moi-même. Ouais. Nous Fabiola Chagne aussi. Oui, Fabiola, oui. Donc, cap jouer dans Orlando. Donc, ou même qui Orlando, week-end ça, donc, dites tout, allez dans le programme ça. Bon, bah, mon un peu de détails sur ce programme ça rapidement, puisque nous gagnons des détails promotionnels. Yo, on voit, voilà. Et VIP package qui est disponible, c'est Fabiola, Dan Junior et la formation musicale à Saint-Clan. Et le numéro de téléphone pour mon guitare américaine, c'est 407-867-94-36. Bon, belle demoiselle qui a pris pour nous, mais son voix garçon le gain. Répondre, Rélinas 407-867-94-36. Deux albums nous connaît qui fait qui cartonner dans le milieu haïtien et mettez mal à l'aise nous qui était album ça qui mettez mal à l'aise sous lui et puis t'as un album qui t'a gagné avec là deux albums ça a vraiment cartonné. Après c'est pas le même niveau pour Dan Junior au niveau de la communauté haïtienne. Pour que ça d'après vous ça explique ça, c'est marché qui vient changer ou bien où on faiblesse de côté pas ou pas accentuer trop sur lui par rapport à succès qu'on connaît dans l'autre zone yo, et pour un peu négliger la caille. Non, pas du tout. C'est que on connaît aussi Haïti vient à gagner pas mal de petits problèmes. Ouais. Et puis troisième album que me fait qui dégaine musique soit femme pas normal devant caillou qui ouais. Marchait aussi en Haïti, même pas très présent en Haïti pour me faire spectacle comme avant. La même sortie du quatrième album moins qui relaie ma place qui fonctionnait aussi. Ouais. Mais c'est pas autant. Ouais. Après album Ma Place là, c'est un album que moi t'es un deal avec en production en Europe, mais qui t'a travaillé beaucoup en Afrique. Mm-hmm. Et avec l'album Sam, t'as gagné un pile déplacement en Afrique. Un pile déplacement en Afrique. Ouais. Ouais. Ma Place, t'es vidéoclippé, que peut-être un pile monde qui a songé, mais. L'année ça, Dan Junior, musique ça, on a trouvé que l'y un peu sonné moderne, mais différence qui est entre ça qu'a fait Konyao, ou senti l'accord qui a passé en bas musique là pendant ce temps son très moderne. Quelque part, ou quand des gens qui aiment la musique là, par contre, pour que ça fait remède, c'est peut-être des accords ou des gens musique à monter. Et par rapport à ça qu'a fait Konyao, qui peut-être pas bien tout le ça, peut-être un petit arrangement, un petit côté bougouya, un petit chanteur qui a fait monter, descendre, mais là, musicalement, Il y a beaucoup d'accord, au niveau musical là-dedans quand même. Bon, c'est comme ça, t'es dans la musique, toujours comme ça. Mais on connaît fort entrer dans la bataille, je dis, ah ouais, il faut essayer de faire bah, un petit peu. Ça a marché jusqu'à présent. Ah oui, mais l'a marché. Oui, l'a marché. Il y a des côtés de mouvement, l'a marché de musique, ça m'a chanté. Non, l'a marché. L'a marché de musique, ça m'a chanté. L'a marché de musique, ça m'a chanté. Je pensais ça. Parce que Gopil, je viens de Capville là, c'est dans les noirs, avait en 2004. C'est pas. Toujours été moderne. Pas tout gagné. Style où t'es gagné en 2004 là. Et pas de gagné tout. Pas de t'es tant dans ce moment. Il faut me dire que ça fait plaisir, moi, style que me fait me démarrer là, et les cafés de jeudi. Ça c'est vrai. De l'Europe de manière générale, est-ce que son succès qui vient comme par hasard ou il y a un travail qui a été fait auprès des agents pour placer ou, parce que toute plateforme où il y a des agents sur, c'est sur plateforme où peut-être que tu as venu n'importe l'autre artiste et ça qui fait ou il y a présent ça, c'est parce que ou prêt ou bien on a disponibilité pour mieux jouer facile. Bon, qui j'aime te casser le coup, ça c'est que dès le départ, moi t'as blagué premier album, moi. Mm-hmm. Moi gagne en production antillaise qui était en contact avec moi et okay. Puis qui était pour un album
on était signé pour le premier album ça, en licence. Ok. Et puis, là, nous avons signé pour une licence. Ça a bien marché. Et puis, nous avons signé pour un deuxième album. Okay. Qui t'a fait travail là aux Antilles, qui t'a fait un bel, bel travail, qui t'a fait aller dans un paquet de pays aux Antilles. Et qui t'a voyé aussi comme monsieur, en même temps, tu as travaillé en partenariat en Afrique. Okay. Qui t'a voyé aussi en Afrique. Mm-hmm. Et après, par la suite, nous avons travaillé avec un pile africain et qui prend un album et qui a fait un paquet de travail aussi en Afrique. Est-ce que Dan Junior a dit qu'il connaît combien de musique qu'il y a dans le répertoire de manière générale? Non, nom de musique non, l'album oui. Album, vous avez 5, 6? 5 albums studio, 4 5 albums live. Ouais. Et puis c'est un pas le sorti peut-être. Mais vous n'avez pas fait une collaboration avec artistes dans le milieu haïtien? Parce que vous avez des collaborations au niveau de la France, mais pas autant avec des artistes de... Est-ce qu'il y a ici, c'est pas compliqué aussi? Bon, moi je pose la question. Peut-être ici, on fait collaboration avec mon que on rencontre assez souvent, mon que on contact. J'en ai pas et ça me remarque. D'après vous, qui est plus gros succès ou qui est plus gros succès? On voit le chiffre ou on voit l'oral jeu pour dire pas. Oh, sincèrement, franchement, moi, après, moi, j'ai fait un grand concert en Côte d'Ivoire. C'était en salle comme Zénith, rempli craqué. Dans une en solo. En solo, c'était un bel succès en live. Pour être mon gars chanté, c'était très bien. Et puis, un peu le succès aussi nous fait en Haïti. Parce que moi, même le pays, ça a été bon. Donc, on a parti en Haïti, il m'a fait 30 dates dans un mois. Ouais. C'était non, un mais, succès. Mais non, vous avez répondu à votre question un peu. Je ne sais pas de combien vous faites, mon carré, vous avez dit. Musique, ça, en termes de réaction publique, avec ça, ben, moi, en termes de revenus, c'est. Qui est plus grand succès avec musique? Je pense que musique. Là jusqu'à maintenant, son musique cap bien vendre au niveau de streaming. Peut-être que Haïtien pas au courant. Je suis sur Spotify, je suis très bien placé. Très bien placé? Oui, très bien placé. Ouais. Moi, tu es un monde qui te met en statistique là, il faut pas mettre la donne pendant ce temps que. Tu as fait pour rap. Moi, senti, ouais, c'est pour rap le tafel. Non, il te met Alan KV, il te met pas mal d'artistes qu'on parle aussi. Ah bon? Il va samedi, ouais. Mon gars, il était pas bien gardé par yo. Bon, ça c'est une pensée que la femme que je me toujours dit, bon, assez souvent qu'elle me dit ça, que moi j'ai un contrat que je me signe avec Believe Music, oui. qui a très bien fonctionné. Autre remarque, Dan Junior, on va tourner sur la dernière musique là, on dirait que tu n'as pas changé. Pas qu'à changer. L'aide physiquement, toujours bon, très jeune. Comment c'est, en fait, il y a un peu de monde qui pensait que j'ai en fait un golage. Ouais. C'est Caria qui. Non, je commence bonheur. Je commence bonheur. Ouais. Je commence très très bonheur. Ouais. Quand l'album est sorti, c'était très 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 tôt. Très tôt. Et là maintenant, je suis à peu près 17 ans. Ouais. Ou 17 mais ça me pose une question. Je ne sais pas si c'est pas de Caria. Soit quand c'est bonheur, je t'ai demandé une recette là. Parce que. Est-ce que c'est dormir en pile, bien manger? Non. Bon, pas dormir même. Pas arrêter, pas stresser et tout. Pas dormir même. Mais c'est manger, bien manger. Bien comme si manger la nourriture qui a bon permettre de ta santé. Exactement. Ouais. Intéressant. Musique, vous pouvez présenter nous là, Dan Junior, c'est mérité. Il est à peine disponible là. Il fait claquer là. Fait claquer. Et c'est de lui nous pourrons parler à souhait dans l'émission ça. Musique ça annoncé qui ça? C'est juste une musique pour Dan Junior qui était en vie ou bien son musique qui annonce son album? Qui annonce son album? Ouais. Suivre sa chaîne pour nous laguer. Ouais. Mais nous avons à peu près 20 musiques qui parlent. Ok. Et la équipe a commencé à choisir. Ouais. Nous avons choisi 11 musiques. Parmi les musiques, nous avons eu, puis nous avons lagué. Nous avons lagué. Le problème est que Dan Junior a un propre studio à Kaili, à Paris. Et j'ai eu la chance de visiter et d'aller chez toi, moi ou même quand je travaille. Alors, il y en a chez toi. Ah bon. Dan Junior qui gagne bien sa vie et qui vit très 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 bien à Paris et dans nos silences, mais vraiment ça va et félicitations Dan. Merci. C'est bien mérité ça. Bon, oui. Comme on dit, nous travaillons pour ça. C'est mérité. Mérité. C'est aussi le titre de la chanson, mesdames et messieurs. On l'écoute à l'instant même. Guillaume Radio et Dan Junior pour la présentation en exclusivité de ce titre.
Stéphane Junior, notre invité, mesdames et messieurs, bravo pour ce morceau. Vraiment un très bon titre, vraiment dans la logique de Dan Junior, dans ça nous espérer, dans ça moment mandé. Vraiment, chapeau, très bon titre. Dan, merci. Vraiment, est-ce que tu as peut-être une exigence qui fait ou je ne feedback ça ou bien c'est au contexte qui crée flow ça et puis les rivières comme ça? Je suis forme de que je travaille en pile. Je suis un pas caché d'une ça, moi-même, je vais mourir, bon Dieu, même. Waouh! Je n'ai pas dormi. À peine si je me demande 2-3 heures de temps le soir. Waouh! Plus que je me demande, je passe 4 heures de temps. Ouais. J'aime toujours dans le studio. Bon, je suis joué, performé, je suis chanté, entré, studio. Je me lève, studio. Je médite, je travaille, je cherche l'idée, je cherche l'autre sonorité, je tente l'autre bagaille. Et puis en même temps, je tente ça, je tente des critiques. Mais c'est ça me t'a parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour un artiste comme toi quand tu travailles pratiquement seul? Tu évites de te répéter, même si ou à bataille, mais les bagailles c'est où, même ces caractéristiques pour y aller. Faut garder originalité. Oui. C'est ça que manque parfois. Et moi-même c'est pas critique, mais c'est une phrase que je dois dire, je ne vais pas déranger personne. Ouais. Même trouver parfois dans le milieu noir, nous mélanger originalité. Ouais. Et comme si l'originalité ne soit faite, on n'a pas fait même pas à l'arrivée, mais chercher l'originalité pour. Est-ce qu'on comprend? Mm-hmm. On garde l'originalité, mais moderniser, je travaille, je mets l'autre touche. En même temps, je travaille en pile l'autre monde aussi. Mm-hmm. Sur l'album que je vais le faire, je travaille en pile artiste. En pile artiste dans la communauté haïtienne. Non, non, mais est-ce que c'est artiste qu'on connaît? Ou bien... Ah oui! Et je ne vais pas cacher depuis que l'artiste va travailler avec Kai. Et guitariste Kyle a toujours... Instrumental ou pas vocal? Instrumental. Ouais. Guitariste Kyle a toujours fait quelques morceaux pour moi, quelques guitares. Je m'ai arrangé, depuis que je dépasse, je parle de venir, il relève le venir dans le studio. Mais n'est pas là, je vois Bali. Et moi, j'ai un Noldi, j'ai un Shedley, ouais. qui fait Bali pour moi. Et nous avons Jude. Nous avons l'autre artiste hier, l'autre artiste africain. Mm-hmm. En fait, mais si je travaille avec un peu le monde pour faire un mélange. De ça que nous besoin. Mais on connaît conseil des dieux, on a demandé, il a venu. Moi, on a demandé un peu le dieu avec Alan Kavé. Parce que on travaille avec Alan déjà, pas mieux comme ça. Nous travaillons déjà, mais nous chantons ensemble. Duo, sur musique ensemble. Ouais. Mais tous les jours, on a parlé de ça. Mais je pense que il y a jeune artiste qui travaille avec eux, il y a une formule qui a porté pour eux, il y a une modernité tout peut-être par rapport à la réalité quotidienne ou bien jeunesse qui a porté pour pas parce qu'on puis ancien passé mais il y a une connexion avec l'équipe jeune qui peut-être qui permet ou qui pour composer un bagage pour porter pour eux. Donc quand plus jeune là ouais ou pas ouais on a travaillé avec eux mais qui approche ou ouvert pour ça tout. Oui, il y a deux monde nous parler déjà, oui, il y a monde nous parler, nous discuter, nous rencontrer. Mais on a un bon moment. Bon moment. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Méritez pas, c'est pas toutes les mérités, toujours méritez pas demandé, là, dans la musique, ça prend contre-pied. Exact. Parole ça, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, tout le temps, méritez pas demandé. Méritez pas demandé. On vient d'un mérité ton bagage, mais c'est pas demandé, il va baoul. On vient d'un mérité ton bagage, c'est pas demandé. Il va baoul. Est-ce que vous comprenez cruellement pas bon? Donc, quelquefois, dis-moi, demandé. Parfois, il faut demander. Il va bosser au mérité. C'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps, méritez pas demander. Méritez pas demander. Yes. Ouais. Non, mais c'est vrai. Alors, ça, vous avez l'impression que. Vous avez illustré le parcours. C'est deux sens, bah, musique là. Ouais. Musique là, sens que. On monte dans la vie normale, ou bien doit. Que. Vous avez capacité pour travailler ça. Mais c'est pas le monde de travail, votre bon travail. En même temps, ou bien doit penser aux petites X ou Y. Ou en belle fille là, ou à cause d'elle. Ah, des fils, ça. Ils se poseraient même. Ouais. Mais non, pas forcément. C'est vrai. Faut au moins des fils à même ou le carrément avant. Même si le fils, insister. C'est vrai. C'est mes messages qui me passent. Ouais, c'est vrai. Il y en a qui ont gagné mes amis de côté, là, par exemple, disant, hein, confie à Marie. Mais c'est j'aime tellement. On va déjà me dire ça. Parce qu'il y a tant de filles à dire, peut-être, dire un bagaille. Ouais, ou pas déjà me dire ça. Pour que ça, quand on dit, c'est Marie, on dit, ou pas déjà me parler avec, ou pas déjà me dire ça. Faut faire premier pas parfois. Ouais, parfois, faut faire premier pas. Et donc, c'est ça qui inspire la musique, ça. Mon cher, c'est. Pendant ma pensée un peu, à jamais la vie. Mm-hmm. Parce que, il y a des bagailles que vous rencontrez dans la vie, vous obligez d'écrire. Sous ça ou que vous faites obstacle là. Vous comprenez?
ça c'est comme ça son bon partenaire. Mhm. C'est gagné. Mhm. C'est gagné. C'est gagné club. C'est gagné business qu'a l'argent. Mais monsieur comportement monsieur que problème que m'gavel, c'est rébellion côté, c'est Ikagi. C'est intéressant. Et que tout est permis. Je dis monsieur non. C'est pas comme ça pour Bayo. C'est pas comme si vous pensez que vous arrivez là, vous n'avez pas d'eau. Ah, est-ce que vous avez besoin de manger? Ouais. Vous arrivez là, vous êtes deux, trois belles filles. Mais alcool, c'est soufflé, c'est pas. Vous pensez que vous n'avez pas d'eau. Et puis c'est une idée, ça me vidéo à qui déjà. Et puis moi, je joue un rôle là, dans le clip là, je joue un rôle comme si mal causé à une fille. Mm-hmm. Fille a refusé. Mm-hmm. Et puis m'a persisté. Et pour ça, vous n'avez pas été moi comme si. Mérité pour me sortir avec ça. Je refuse. Mais parce que je mérite. Comme si. Mon mari a me sorti avec elle. Ouais. Pour ne pas insister. Ouais. Parce qu'elle refuse, elle m'a insisté. Ah, insisté. Et le fait que je m'insiste dans ce clip-là, je suis apporté. Après, il y a même fils qui vient pour un même. Il est parti avec après. Ouais. C'est son façon que pour m'écrire. C'est bien quand même de aller à contre-pied des idées toutes faites, des stéréotypes. Il y a une société, ah, c'est pas toute l'air, mais t'es pas vendé. Ah, c'est son vérité, lié. son vérité. Là, pour musique, comme ça, par exemple, en CP de temps, on a dit la feedback là, très, très positif par rapport à ce que tu as là, je veux dire. Est-ce que quelque part, où l'on arrive dans le studio, on a dit, hé, j'aimerais bien que tu as réagi là, ouais, c'est dans l'île de Zambralé, ou qu'il y a des modifications pour faire, non, bah, ou qu'il y a fait, puisque son album, on peut parler. Sous l'autre musique, pas sous l'autre musique, forcément, mais est-ce qu'on pas. Non, on va comme ça. De vous finir ou fini. De vous finir musique. Et pas comme si je finis la musique là, net, même moi, je suis dans le fil de la musique là. Je ne vais pas le changer parce que moi, c'est là. En fait, et un bagage que je remarque, tout le monde est capable de faire un hit de façon par où. Ok. C'est pas comme si je m'entendais ça, X fait, faut mal souligner ça aussi. Mm-hmm. Parce que le monde, ça le fait, lui-même, l'inventer. Ouais. Son inspiration. Ouais. Mais puisque l'inventer, ça le fait, moi-même aussi. Faut une capacité pour m'inventer, pour m'enrichir. Pas où? Exactement. Faut qu'il y ait un coup de six pas où? Ouais. Comme on le dit. Ouais. Je pense que c'est dans le contexte ça que moi-même, je suis toujours à travailler dans l'idée ça. Et. Musique, je pense que c'est un bon travail. Et puis, je suis allé dans une idée pour me faire un peu. Très cool. Très cool. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant. Mon yoga détaillé sur Soudan et album n'a pas sorti. Qu'il n'y a pas de date avant la fin d'année ou bien. Je pense que c'est une question avant la fin d'année. C'est en fonction du résultat. Ça, je vais la blague. Tout le bagage est prêt. Pour cet album, tout le bagage ok. C'est juste que n'apprend le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut pour. Il faut toujours prendre le temps. Ouais. Tellement de musique, il faut choisir. Le nombre de musique qu'on a metté, faut choisir musique aussi. Ouais. Et puis après Gumba qui me devait faire. Ouais. Qui est capable possible hein. Il aime pas le faire public là et de me choisir qui musique pour mettre sur l'album ça. On va faire les singing party. M'a fait on bail que relé m'a prend 20 secondes dans chaque musique me laguer. Ouais. Mais ça depuis sous 10 secondes de bien l'a dit. Moi-même bon pour m'anticiper même pour me garder et c'est intuition parce que généralement les mes réactions ça ou. On va faire tout le temps ou pas. C'est ça que le public ne pas faire la musique. Pendant que je ne pas faire tout le temps, ça ne pas le dire, musique, c'est pas un bon moment. Oui. Et il ne pas un bon moment. Bon moment, musique quoi. Bon musique, tout même, sous pas un bon moment. On va aller chercher bon numéro. Mais bon musique, peut-être qu'il ne pas un bon moment ou qu'il fait une déclaration qui peut-être pas chita dans faveur. Mais moi-même, parce que rarement ça arrive, je me des premières notes, 10 secondes, je me dis, ah, ça, bon. Bonjour, t'es dans ce studio. Ou t'es une réaction. Dis ça, ça, bon. Et c'est le cas pour le grand public. Ah, j'en vois pas, j'ai là. Mais j'ai gagné l'arrivée. Non, le mérite. Il mérite, ok. Mérite pas mandé. Mérite pas mandé. Dan, on se met ma vie par là-bas rapidement avant d'aller. Et je vais vous coordonner pour nous faire une interview d'Anna. Parce que l'autre parenthèse, ma vie ou va avoir sur le marché paria. De manière générale, ou bien de l'Europe, même ou l'influence même de la musique haïtienne, du compas, ben ça, si vous voulez, les zouk, je sais pas, hein, parce qu'on va à Paris, on va vivre et bagayo, non, que bagayo. Je dis à Anna, allez rapidement, Dan Junior, musique là disponible online, qui côté mon yoka, venez rapidement
Believe Music qui a fait le travail là, qui voyait de l'autre côté. Il t'a supposé disponible à partir de minuit 5 sur toute plateforme normalement. Normalement. Voilà. Donc ça, Dan Junior, c'est sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Facebook, c'est Dan Junior vrai compte, parce que pile copie. Vous mettez vrai compte d'elle? Moi, je mets vrai compte parce que moi, il y a un pile des autres. Wow. Et puis fanpage Facebook, Dan Junior, c'est fanpage. Ok. Et puis Instagram, c'est Dan Junior officiel. YouTube, Dan Junior officiel. Moi, pas tout. Ouais. TikTok. TikTok. Tout côté net. Vous faites TikTok tout? À l'aise. Dan Junior affiche ce samedi 15 à Orlando avec Saint-Clan et Fabiola. Oui. Donc déjà, Mungi Orlando fait déplacement pour aller dans Dan Junior et avec Saint-Clan et Fabiola. C'est dans Orlando. Soit cherche un programme dans Orlando. Weekend, c'est là pour aller. Je vais vous donner le téléphone déjà pour les gens qui ont besoin de tickets. Je vais vous donner le encore pour les gens qui ont besoin de tickets. Relais Kounia pour jeune VIP Paula dans 407-867-94-36. 407-867-94-36. Les gens qui ont répondu moi sont filles, mais elles ont voix garçon. Faut pas étonner. Belle voix, ça veut dire voix garçon. Non, je ne sais pas si vous faites un relais, oui, oui. 407-867-94-36. Rele Konya. 407-867-94-36. Rele Konya. Rele Konya. C'est Guy Wewe qui dit Rele Konya. Et puis Paola, Dan Junior, Fabiola. Prends ticket Paola. Et 5 ans, prends ticket Paola. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, le dernier titre de Dan Junior, c'est Mérité. Mérité pas mandé. De ça, Guy Wewe. Là, tout le temps. Bavlé. Connais. Comme bah un petit push aussi, nap dimanche dans un bunch. Oui. À West Palm. West Palm? Non, Two Kings Lounge. Ouais. Two Kings Lounge, non, là. C'est ça, c'est ça. C'est ça, dans West Palm Beach. Dans West Palm Beach. Dimanche 16. Mais combien t'en fait là sur Floride, sur les États-Unis? Après parti lundi. Lundi? Est-ce que je vais lundi? Capable, non. L'aime parti lundi, une prochaine mouba en Belgique. Après mouba à Paris, après mouba à la Martinique. Et après, je m'a monté en Côte d'Ivoire. Ouais, ah mais ouais. On avait essayé de faire le travail là. Mais la musique, ça a fort continué sous promotion, hein, la bon résultat. Hein. C'est ça, c'est ça. Oui. Bah, c'est DJ, yo, DJ, yo, club, yo. Et depuis, au courant de ça, la. Mais ça, pense que c'est une blague de musique, ça, non. Moi-même, ça me fait, vous comprenez ce que je veux dire? Non, ma junk. Ouais. Ma fait ça me café, mais même parce que. Non, vous connaissez. Ma fait ça me café, ou même fait son café. Mais on connaît que, au niveau, il y a faut mettre nos productions aussi. Bon, ben. Moi, j'ai envie d'être dans la radio, mais nous voulons finir d'accord, j'en ai dit, mais. Nous voulons finir d'accord, mais. Le travail, on travaille toujours dans. On travaille toujours parce que les gens nous peut-être les hommes bas ouais on savait pas c'est une saturée mais une pas saturée oui on a développé parce que nous voulons mettre structure pour nous exploiter et dans l'autre dimension dans le marché international pour musique là parce que nous car on porte et on travaille pour ça travail faut une fois faire développement ouais, faut calculer faut réfléchir on travaille pour nous quand même pour contribuer à faire musique là à l'antichamp plus loin. On travaille sur ça. En tout cas, Dan, vraiment, vraiment intéressant, mais merci. Mais juste avant nous finir l'entrevue, hein, nous, sur le réseau, ou bien nous, des artistes de dimension internationale qui ont fait des musiques. Il y a un gros débat qui a fait sur nous. Avec les Latico récemment, on a parlé sur l'identité musique. Ça. Par exemple, le titre qu'a exécuté Aya Nakamura avec Damso. C'est un belge, on a dit Damso, c'est ça Damso, c'est Damso? Damso, ouais, c'est un africain belge. Belge, ouais, monsieur représente lourd dans la musique belge là, je veux dire. On a dit monsieur, c'est l'équivalent de Maître Gims en France? Oui. En Belgique, qui font fit avec. C'est pas même bagage, mais c'est monsieur lourd. De valeur. Monsieur lourd. Ouais. Monsieur lourd. Et est-ce que on a dit, bon, l'autre utilisation qu'a fait des artistes ça, ou cap de la musique de compas ou zouk, si nous disons ça. En pile. Noël. Musique que vous faites, son compas lié. On est capable de l'oublier. Puisque il y a une cloche, il y a un tambour, il y a un feuille compas. Ils chantent en façon. Ils sont musique compas lié, parce qu'ils sont. Qui peut être très bien aussi pour le compas. Ouais.
si nan niveau ça yo fait parce que li bon pour pas m'pa ka jouer musique là mais musique là sorti il y a de cela 7 mois musique là il est dégainé il gagne 57 millions de views en 7 mois dégainé il te gagne plus il te gagne plus ouais dégainé mais c'est quand même pour une tendance peut-être international ça a utilisé donc a dit c'est non bon moi sont tellement protégé m'pa aller à le jouer là pour un problème. Mais ça, c'est extraordinaire quand même. Mais est-ce qu'on sentait un débat ça en France sur ce titre ça? Oui, à la sortie de cette chanson, il y avait un débat. Ouais. Est-ce que, d'après vous, pensez à Aya Nakamura a une possibilité pour l'influencer par Zouk là? Et Zouk qui te connaît avant? Je ne connais pas Aya Nakamura. C'est Zouk qui te fait avant. Ouais. Il te fait Zouk avant, et puis après, il vient passer dans ce style lié à Chance pour lui, il est passé. Je pense que c'est très bien de retourner à la source, même s'il n'est pas vraiment Zouk, il est un peu Zouk Compa. Ouais. Parce qu'actuellement, en Europe, Compa a une influence. On regarde Dadju, qui est un gros superstar, qui fait une musique Compa aussi. Oui. Et voilà, moi j'ai l'autre musique. Dadju lui-même dit que c'est Compa. Il dit lui-même, il fait la producteur haïtien, que c'est Joël doit être filé. Et Dadju dit le même, le clip Dadju a gagné 45 millions dans un an. Dadju dit le même quand même. Donc au moins Dadju a accepté ça. Il était quand même plus. Si Michel était fait musique par la partie sur le réseau, côté musique internationale, il a passé, elle t'a plus bon. Mm-hmm. Donc, musique Aya lui-même, il passait sur un pile gauche. Qui me pensait qu'il est très bien pour qu'on parle. Mais elle a présenté le, comment présenter-le? Ça, c'est ça. C'est ça le problème. Est-ce qu'il représentait le temps que qu'on parle? Ou en tant qu'un style. Je pense que, je ne sais pas quelques commentaires, il y a des gens qui pensent que c'est un style que Mamzelle a développé. Parce que nous n'avons tellement pas quitté ou connaissons ça fait longtemps. Je ne sais pas quoi c'est ça, non. Je pense que nous pitié toujours. Il faut dire la vérité. La musique nous arrive très très loin. Mais il y a un grand public et qui a dit ça. Ce n'est pas parce que je chante en Afrique, comme si je allé en Suède, je allé en Turquie. Mm-hmm. Que vous pensez que la musique là vraiment voilà est au sommet. La musique au sommet c'est les en pile go producteur à chercher. Ouais. En pile go chaîne de télévision à chercher nous. Mm-hmm. Là nous oui. Ouais. Mais moi-même idée pam. Moi pensais que si Haïti est bon. Vraiment désolé. Ouais. Vous me dites ça comme ça. Si Haïti t'es dans une bonne voie de développement. Et musique non tapis là. Qui ont musique marché? Musique là, elle arrive quelque côté. Mais moun nan pays ça, si elle fait vacances dans le pays où là, il va aller dans la plage, il va aller dans le club, il y a tant de musique. Quoi. Maintenant, et c'est ça. Ça va être positif comme ce deux pays à tout. Qui est à l'autre côté. Donc il n'y a pas accompagné musique là, si la privé dans les oreilles, moun. Il va à l'autre côté. Il n'y a pas ni pays ni musique à l'autre côté. Ouais. Puisque nous n'avons pas gagné. Lorsqu'il y a un vibe négatif, et généralement dans les médias internationaux, il y a aussi un vibe négatif là, Oven. Donc, quelque part, effet musique là, fait, le peu que lié, il boit par vibe négatif là. En tout cas, forme de ça, moi personnellement, ce qui concerne Haïti, je trouve nous très malhonnête ou méchant. Moi, né, depuis que je viens de payer un problème. Depuis que je viens de payer un problème. Bon, et pas depuis que je viens de gagner connaissance que je m'attendais. Information, ça qui passe dans le pays, mais j'ai un problème. Jusqu'à maintenant, toujours un problème, il vient plus mal. C'est ça qui fait que ni nous-mêmes, ni musique noire, grand bagaille, il n'y a pas qu'à faire, il n'y a pas à jouer, pas pour négatif du pays. Ouais. Il est calé plus loin. Parce que si le pays est bon, t'es bon, non? Et s'il était bon, ouais. S'il dégaine, par exemple, 80%, 50% de pays voisins, là, et nous t'as privé, que c'est musique nous t'as vendu, et la musique là, 20 pays, puis bien. Mais malgré tout ça, nous 20 pays. Oui. Mais est-ce que vous-même, bon côté, pour avoir des démarches pas qu'à faire quand même, peut-être pour au monde qui ou un Akamo a fait ça, ou même qui compte musique là mieux, ou pas qu'à travailler même avec d'autres filets faits, avec d'autres artistes de jeunes, par contre, pour garder qui gens qui ont créé une route et bataille pour nous rejoindre une paternité et identité, nous? Ce n'est pas facile. Ouais, dans le compas, il y a une lutte sauvage. Mais là-bas aussi, ils ont une belle lutte sauvage. Ce n'est pas facile. Si vous voulez, dans le milieu R&B, hip-hop là, il y a la queue aussi qui est derrière la porte là. Mm-hmm. Et comme si la porte ça là,
bien que derrière. Je pense que parfois, c'est même pas meilleur choisi. C'est une question de contact. Par contre, vous comprenez? Moi-même, personnellement, je arrive dans le stade. Je vais manger mon gaboué. Je travaille. Musique, moi. J'ai l'autre artiste qui vient dans le studio que nous travaillons. À part musique, j'ai l'autre bagaille qui m'investit. C'est pas là. Ce qui fait que je pas arrêté derrière que pour mal chercher faire telle musique pour m'aller dans l'autre ni pour m'aller dans l'autre côté en l'autre côté. Parce que même l'autre côté ça n'a pas l'air, il est très dangereux, il est pas facile aussi. Mais là arriver là-dedans, ou arriver. Mais en même temps aussi, ou bien arriver là-dedans aussi au capoté. Tout en contact avec un paquet d'artistes international en France, un paquet d'artistes africains. T'as bien marché. Oui, mais c'est ça, moi, mais ça, m'a demandé, par exemple, ou sur Domba, là, qui est personnel, le conseil de sécurité qu'on gagne sur le plan personnel, je veux dire, quelque part, qu'on valeur, que d'être qu'à Goumé pour lui, ou mieux placé pour Goumé pour valeur, ça, parce que quelque part, t'es hérité dans ma gaille, et qu'on goûte pour te mettre ton côté, ou même, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer avec elle, pour nous avancer. C'est ça, m'a interpellé, ou, regardez, est-ce que quelque part, on va faire un petit réflexion, vous dites, bon, c'est vrai, je ne suis pas dans la même position, pas le même niveau, pas le même besoin. Donc, je vais regarder que ça m'a quitté. Mais il y a un bagage que je vais apprendre. La bataille n'est pas faite seule. Ouais. Pas qu'à gommer tout seul, non? Par contre, tu comprends, maintenant? Je comprends. Si vous allez dans le plus profond de ce qu'on a dit, on a discuté, en profondeur, ouais. Soit gommer. Oublier qu'on l'autre qu'on équipe avant. Problème qui gagne entre nous, si m'a goûté pour tel bagaille, même mon cave même dans cause à il a dit ah, monsieur fou lui-même. C'est lui-même qui parle de capoter ou mais qui parle de faire passer mal par rapport à soi goûté. Gon paquet bagaille que moi rencontré déjà. Si m'd'a prendre me parler, faut m'd'a parler jusqu'à m'a fini. C'est-à-dire que qu'on a goûté bon bagaille même moun kan sa ma vola, il trahi ou. Ou qu'on a lutté pour un bagay, même moun ki bo koto la, ou elle différent. Pendant ce temps, le lavol pa avèl comme ça. Et Guyoé, faut qu'on ait que, ou gen doa, mou gen doa invite ou la ka mon studio, nous parler, nous discuter de un projet. Ou qu'on a projet pas intéressant, ou du moins qu'on a pas une capacité pour projet ça. Ou dis moui. Et nous avons discuté pendant un mois, deux mois, enfin, ben, c'est ça qui est mauvais. Mais moi, je pense que dans la voie que nous y a, dans la voie que la musique y a, si nous continuons comme ça, surtout en Europe, pas en Bobo ici, mais en Europe, nous cas aller vers l'avant. La preuve, et nous avons dit aujourd'hui, en pile gros spectacle, nous avons essayé là-bas faire. C'est-à-dire que plus spectacle qu'on parle, c'est un marché là-bas qui est différent. L'homme dit le différent, il n'est pas différent dans un style que c'est pas même et tout même bar là, mais gros client. Et il y a des spectacles qu'on fait en Europe. Moi-même personnellement, qu'on a fait, c'est gagner 800 mon dedans, on bat quoi gagner 100 haïtiens. Donc on va parler de question de mentalité là. C'est pas même c'est une question de mentalité, c'est une question de côté moun qui commande là, côté moun avant nous. Par contre, vous comprenez maintenant? Moun qui achete bala nan moun la, côté le vende bala. Côté le vende bala, c'est clientèle ça qui vient gado. Gon da yon clientèle qui entier. Le programme qui média à utilisé, c'est ce qu'on parle là? C'est plutôt moun qui achete programme nan moun la. Ok, ok. Moun qui achete programme, même tout, il est intéressant. Parce que moun qui achete programme ça nan même, les 20 programmes dans la clientèle, ça va venir contre musique. On sait suivre. Mais soit ce programme dans ça ici encore pour venir, ou pas c'est pas une évolution possible? Mon cher, personnellement, c'est tout même bail. Mais, nous avons un exemple. Ça qu'a fait dans le week-end là. Paris. C'est pas ici qu'a fait. Il y a un haïtien là-dedans.
Oui. Mais puisque c'est un blanc qui a acheté le programme, il vend en façon. Il fait le programme en façon. Qui doit peut-être différent. Après, moi, je ne pas dire rien de mauvais, non, de ça. C'est-à-dire que chaque bagage a une capacité par eux. Ouais. Et si Naples lit en phrase, en fonction de capacité, pam, avec mon ça qui devant maintenant, nous n'avons pas lit phrase à même gens. Ouais. Nous n'avons pas prononcé par eux même gens. Oui, vous rappelez en fonction de niveau, de. Oui, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que chaque monde fait bagage en fonction de niveau. C'est ça qui est intéressant. Il y a un programme à faire pour un Africain, il fait le niveau pas là. Il va nous dans le niveau pas là. Je pense que, est-ce que en Amérique, nous manquait ça peut-être? Programme en Amérique aurait été peut-être plus pur haïtien par rapport en Europe. En Europe, il y a un pile mélange. Et là, regardez que mon commande pour mal en Belgique, assez souvent, en Suisse, la Hollande, l'Allemagne. Mais quelque part, je vais prendre pour des bandes à la soirée avec moi. Apparemment, il y a des gens qui sont en compétition avec, qui cherchent à faire le même style là tout, ou bien ils cherchent à faire style là tout parce que des gens qui en compétition avec. Est-ce que quelque part, on porte là pour utiliser ces moments de polémique ça, ou peut-être nous pouvons dire, bon, tu as un polémique avec elle, je peux te faire mieux. Pas que c'est comme ça, non. Même penser que, il y a une petite dame qui te fait une musique presque zouk compas. Mais qui n'a style aya. Et les sorties musique liens, musique liens comme ça marche parce que musique liens côté côté zouk. Comment le Ronicia. Ronicia. Yeah. C'est ça moi-même que je pensais. Mm-hmm. Maintenant les lagues musique liens, musique liens comme ça fait fureur. Aya lagué pas là, peut-être un mois d'elle. Je pensais que c'était fait, c'est fait exprès. Ronicia, t'es ligué featuring avec aya? Non. C'est souvent c'est un monde qui tape machine à niveau qui tape suivre aya qui a machine qui veut machine à niveau non oh mon musique elle est à cœur featuring aya Nakamura non c'est ça la DJ qui fait backer gain featuring en face musique lien relé musique ça me tape ma parole là les gonf blé noir on nom un peu chinois. Moi, Onisia dans Skywalk. Ah oui, non. Actuellement, Onisia a bien passé. Ah, moi, dans Skywalk. A bien passé. Moi, dans Skywalk, là. Musique, ça a sorti, mais que c'est Onisia qui pousse à faire musique par là. Peut-être, moi, dans le même style là aussi. Ouais. Peut-être meilleur que l'autre maintenant et qui plus compas. On va changer cette musique-là, non? Oh, non, pas changer le nom. Onisia fait musique avec Joey. Ouais. Moi, la musique, c'est Ronicia, Joey doit filer, Jolie Madame. Jolie Madame, aussi, elle a fait d'autres filières, c'est ça. Ouais. Mais si tu tapes Ronicia, moins de 6 mois, ou après 2022, ou après titre là. Ok. Ligue en Kamatri, quelque chose. Ah, oh. Ok. Bon, en tout cas, vous connaissez mon bagage, vous m'avez juste voulu dire que ça, vous même vous allez faire sur page. Donc c'est des artistes qui en polémique quand même ici à Pakistan. Mais bon, peut-être c'est pas dans niveau ouais, ça n'a même niveau pas loin. Peut-être en autre façon. Ouais. Mais on ici à qui nous interview avec un jeune homme là et checker sur les oies, regardez pour nous ouais. C'est même gain plus monde qui parle de bagages ça yo pour yo quand même qu'on est qui a artiste qui a utilisé musique nous et nous même pour nous dire que musique haïtienne et qu'on pas apprend l'autre dimension surtout avec alors et bon bah vous posez des questions sur l'autre artiste en France même des cas pas bruit pas de problème on va poser question. Ok excusez-moi oui. Musique connue ça le mec c'est les Tatani Tatani ok Tatani allez checker mes amis. Et ben moi me checker. Je ne vais pas par exemple. Tatami ou Tatani? Tatami, c'est ça. Tatami, c'est ça. Tatami. Et une question que je vais poser. Par exemple, nous connaissons un Beijing avec Kadila qui fait gros figure dans la communauté haïtienne aux États-Unis et en Haïti. Comment ça est en Europe, en France pour vous? Bon, on connaît que. Qui aime déjà dit ça. Non, je pense qu'il y a bien passé aussi en Europe. Ok. Bon, comme on connaît que pas. Pas vraiment dans les soirées, ouais. Mais je pense que va arriver très bien. Ouais.
Et puis, je pense que Michel Damsa a un bon succès. Il a une belle musique aussi. Il a passé un style qui est très propre dans sa affaire. Oui. Qui passait très très bien. Mm-hmm. Et impossible tout, il y a plus de monde qui ouais, impossible comme une jeune formation musicale qui a grandi sérieusement. Passé très très bien. Équipe, mon soir de travail sérieusement. Actuellement, toute musique haïtienne a passé très très bien. Oui. Sauf, parfois, on connaît en fonction du texte, il n'y a pas duré. Oui. Mais bon, c'est musique jeudi à part. Non, c'est musique. C'est genre la diffusion, en fait, la consommation, en fait, là. La consommation, en fait, là. Et puis, il y a plus de d'être plus artiste. Il y a plus de musique assez souvent. Plus de choix. Il n'y a pas arrêté trop souvent musique. Oui. C'est vrai, ça veut dire. En tout cas, merci pour la consultation, ça. Nous peut-être merci parce que vous êtes très ouvert pour nous quand même toucher lui. Ce n'est pas tout artiste qui me parlait de l'autre artiste, même si je ne parle pas en profondeur non plus sur certains détails. Mais, Nabdou, merci. Avec plaisir. Je vous remercie pour vous faire passer vos fanatiques et mon qui t'apprend de vous. Je suis très content que moi en Floride, j'ai fait une interview sans m'avoir. Puis, nous avons eu l'opportunité pour nous tout laguer, faire mon nouveau musique qui sorti. Ouais. À Soya, on va dire 2h du matin en France, 8h du soir en Amérique. Ouais. Ça fait un bel plaisir. Et puis, décalage horaire. Décalage horaire. Ouais. Et puis, bon, je pensais que le travail à la fête n'a pas continué. Et puis, pour mon continuer à suivre Dan Junior, tout le temps de ça m'a fait. Ça m'a fait dans le passé. Ça m'a fait qui va le revenir. Et puis, nouvelle musique, ça, n'a pas venu sur channel Dan Junior officiel là. Et puis, m'a dit, Mounio, pas hésiter à l'abonner sur YouTube, aller sur Edgy, Instagram, ouais. Pour nous suivre, qui ça m'a fait, pour nous suivre tout Néo, pour nous suspendre, dire que est-ce que Dan Junior a arrêté musique ou bien le pas arrêté parce que de tout côté, chaque week-end, moi en côté. Donc, si il y a pas qu'à ça fait. Il y a pas qu'à tout ça me fait. Ouais, voilà. Merci Dan, c'est ton plaisir. Bonne chance. J'étais vraiment content de découvrir tout ça à ce moment avec auditoire là en exclusivité. Vraiment, il me la joie à tout le monde. Il me passe une nouvelle musique à nous jeter dans la playlist. Et ce que je vais faire aussi pour les fans et les auditeurs de Guy Wewe Radio. Merci Dan, bonne chance à la prochaine. Merci. Allez.